Je pense que le point essentiel pour Essilor France, c'est de traiter deux types d'engagement. On va parler d'engagement opticien et d'engagement consommateur, parce qu'effectivement, nous sommes une entreprise traditionnellement B2B2C. Donc les opticiens, on a décidé il y a 10 ans maintenant de mettre en place une stratégie de partenariat avec les opticiens avec lesquels on travaille beaucoup et avec lesquels on a la même vision du marché. Donc pour ces opticiens, on développe des moyens pour les aider, eux, à développer leur activité. Donc ça va être des techniques de drive-to-store pour emmener les consommateurs plutôt vers eux. Par exemple, on a déployé un label qui s'appelle label opticien engagé et on valorise ce label auprès du consommateur. On déploie des outils pour les aider à se différencier et à faire une expérience différenciante en point de vente pour le consommateur, et on commence à déployer également des outils pour les aider à fidéliser le consommateur après l'acte d'achat. Donc ça, c'est côté opticien, c'est clé, c'est eux qui montent nos produits. Un bon produit sans eux, ça n'a pas de valeur. La deuxième chose, c'est côté consommateur. Donc là, on a déployé, on déploie d'ailleurs en ce moment encore, une stratégie d'engagement consommateur, et c'est beaucoup plus récent, ça fait maintenant bientôt 2 ans. Cette stratégie consommateur, elle a 2 piliers importants. Le premier, c'est faire de la pédagogie auprès du consommateur. Il ne sait pas ce que c'est que la santé visuelle, il ne comprend pas un verre de lunettes, il ne comprend pas que les verres ne se valent pas tous, etc., etc. C'est aussi notre faute. On doit vraiment faire un travail de pédagogie pour parler de santé visuelle, pour parler de verres, pour expliquer les bénéfices des verres. Donc ça, on a lancé un site internet qui s'appelle La Bonne Vue, il y a bientôt 2 ans. On fait également des événements dans la rue avec des contrôles de vue gratuits. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on multiplie pour faire de la pédagogie sur le sujet de la santé visuelle et des verres. Après, la deuxième chose, toujours pour fidéliser le consommateur et l'engager, c'est qu'on a déployé un programme de fidélité après l'achat. C'est un programme de fidélité avec les opticiens, bien évidemment. Et ça, l'objectif dans ce programme de fidélité, c'est toujours de faire de la pédagogie, d'expliquer les enjeux, de se préoccuper de sa vue. Il y a un petit peu de promotion, de transactionnel, mais essentiellement de l'email autour de la pédagogie et de la santé visuelle. Donc voilà les 2 axes sur lesquels on travaille autour de l'engagement consommateur.